Roads are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Salut tout le monde, c'est Swagfouli en 7. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous montrer deux endroits fort sympathiques pour farmer du bois en très grande quantité. Donc équipez-vous du build farming, montez dans votre excavatrice, appliquez-vous aussi la perque, la carte, pivert dans la chance, et préparez-vous à récolter du bois à foison. Oui, parce que le bois n'est pas une ressource extrêmement rare, mais comme vous le savez, je fais des vidéos maintenant sur toutes les ressources du jeu. Donc le bois, ainsi que d'autres ressources aussi simples que celle-ci, vont certainement y passer, et c'est même certain 100%. Donc sans plus tarder, rendez-vous au premier endroit de cette vidéo, et moi du coup je vous dis tout simplement, à de suite. Et re, on se retrouve donc au premier endroit de cette vidéo, et comme vous avez vu au plan qu'il y a juste derrière moi, je suis donc à la scierie. À la scierie de la zone verte, donc celle-ci, de Gilman ou Gilman, comme vous voulez. L'abri Sansès est là, donc obligatoirement, vous passez par là quand vous sortez de l'abri. Et le camp du superviseur est juste ici. Donc c'est parti, vous allez voir qu'ici on va récolter du bois. Certes en grande quantité, mais vous allez voir que le deuxième endroit est beaucoup mieux. En attendant, je vous montre ici le bois récupéré. Alors, il y a quelques ennemis, comme vous pouvez le voir, ce sont des exodes. Il faut que je change d'arme, si Bug Test Dame veut bien, merci. Voilà. Et donc, je disais donc, vous pouvez ramasser un tas de choses. Hein. Pas uniquement du bois, un tas d'autres, plein d'autres ressources, hein, comme je viens de le faire actuellement. Hop, regardez, il y a du bois ici. Il y a du bois un peu partout, hein. Vous pouvez le voir, regardez, même ici, il est trop. Voilà. Je vais peut-être en oublier certains, mais... Oh là là, le tic, hein. Quel enfer. Mais bon, ça c'est pas grave si je l'oublie, vous... Il y en a encore un, hein. Voilà. Aussi infect que ceux qui ont utilisé le glitch du reroll. Voilà, hop, ça disparaît. Aussi vite. Encore ! C'est des bancs. Bon, ici, c'est un peu plus mieux parce que, regardez, il y en a un peu partout, hein. Hop. Vous allez voir que ça va monter assez vite. Je pense que je serais déjà en surpoids si j'avais pas le build farming. Alors j'espère ne rien oublier. Si jamais j'oublie, ce n'est pas bien grave. Vous, contentez-vous de bien fouiller. Il y en a encore ici. Hop. Ah bah ça j'ai déjà ramassé, ok. Donc pour le premier endroit de ces vidéos, à plus ou moins ça, hein, on va dire 132 de bois. C'est pas trop mal déjà, pour un commencement. 132 de bois, c'est déjà pas mal. Donc on va se TP au deuxième endroit de cette vidéo, et du coup je vous dis tout simplement, ben, à de suite. Et on se retrouve donc au deuxième endroit de cette vidéo, et vous allez voir, juste derrière moi, il y a un cabot qui s'apprête à m'attaquer. Du moins il m'a pas vu, heureusement que les mobs de ce jeu sont plutôt débiles. Donc, où suis-je? Eh bien, je suis ici au camp de l'exploitation forestière Sylvie et Fils. Donc, à côté du camp des Fils de Dane. Donc, c'est là où il y a le Wendigo, vous savez, je sais plus comment s'appelle l'événement, enfin bref, la grotte Opewell, etc. Donc, ici, il y a des ennemis à battre, mais les ennemis, bon, voilà. Voilà, c'est un cabot, rien de bien effrayant. Voilà.
Tout ça s'élimine assez facilement. Et donc ici on va récolter un peu plus de bois que tout à l'heure. Hein. Là, ça va être beaucoup mieux, croyez-moi. Ah bah j'ai réussi un défi, d'accord. Voilà. Comme si j'avais déjà pas assez d'atomes comme ça. Je vais avoir 7500 maintenant. Ok. Eh ben, ça fait du spam, hein, ici, hein, ça fait du spam. Alors, je suis rendu à combien? 516 de bois. Pouah là là. De mémoire, j'avais moins que ça, mais bon, sans doute parce que j'ai oublié de mettre la carte pivert. Mais 516, c'est vraiment pas mal. Hein. J'en ai peut-être loupé dans l'endroit précédent. Mais en tout cas, 516, les gars, c'est vraiment pas mal. Hein. 516 de bois, regardez ça. 516 de bois. Bon, le bois, c'est utile, hein, parce que le bois permet de crafter des armures en bois. Bon, ça, c'est pas très utile, mais niveau construction, déjà, c'est plus utile, parce que il y a beaucoup de bois, beaucoup d'utilisation de bois dans les constructions de camps et même d'abris. Donc le bois est toujours, évidemment, le bienvenu dans la scrapbox, et oui, parce que le first c'est la vie. Donc, c'est donc la fin de ces vidéos. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ces endroits, si vous avez mieux que ces endroits, pourquoi pas faire une vidéo update. Hein. J'attends vos commentaires sur chaque vidéo farming, donc je pourrai améliorer le sujet sur chaque catégorie de ressources s'il y a mieux selon vos propositions. N'hésitez pas aussi à me dire si cela vous a aidé. À liker et commenter pour que je puisse avoir vos avis, à vous abonner à ma chaîne Twitch en description, ma chaîne secondaire en description aussi, Discord en description si vous avez besoin d'aide, etc. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça n'est toujours pas fait, et moi du coup je vous dis tout simplement et comme d'habitude, bye tout le monde.